Cancer hormonodépendant, cancer du sein, quelles sont les huiles essentielles à éviter? Comme le dit le docteur Penuel, il n'existe pas un cancer, mais des cancers. Donc parlons du cancer hormonodépendant. Je suis encore avec le docteur Penuel, j'en profite pour faire un maximum de vidéos. Quelles sont les huiles essentielles à éviter, docteur Penuel? Ça, c'est un grand classique dans l'hormonodépendance. On connaît très bien le cyprès, on connaît très bien la sauge. Cyprès, sauge officinale ou sauge Voilà, clarée? alors, sauge officinale et sauge clarée, on évitera quand même Oui. les deux. Et puis, il y a une huile essentielle que beaucoup de gens apprécient, un peu effectivement, ou pour les massages, elle n'est pas tellement répertoriée. Ça, je voudrais attirer l'attention dessus. C'est l'huile essentielle de patchouli. Patchouli, Ouais. d'accord. Parce que le patchouli, en fait, il peut avoir une très forte action œstrogène-like. Donc, s'il y a un problème d'hormonodépendance au Ouais. niveau cancérologie, on s'abstient de toucher ou d'utiliser le patchouli. Ça, c'est pas tellement Et le connu dans les deux. géranium? Il faut être prudent. Il y Prudence, a Fragonia aussi, il faut être prudent, voilà. même Kunzea. Fragonia-Kunzea sont des produits, Ouais. effectivement, en cas de cancer hormonodépendant, par principe de précaution, on les mettra On de côté. évitera, d'accord. Ce qui ne nous empêche pas de nous connecter à l'histoire de la plante, de lire sur Non. elle. C'est ce que je dis souvent aux gens, vous ne pouvez peut-être pas la respirer et vous passer avec, mais lisez son histoire, regardez la forme de la plante, ça permet aussi de se connecter à Et puis quelque chose on parlera du d'intéressant. soja dans une autre On parlera interview. aussi du soja. En tout cas, je répète les plantes à éviter, on répète. Le patchouli, sauge clarée, sauge officinale, Fragonia, Kunzea, Cyprès, cyprès, et t'en as nommé d'autres? bon, bah c'est les plus courantes, hein, C'est les plus courantes. clairement. Voilà, donc si vous avez un cancer hormonodépendant, souvent le cancer du sein, Alors le niaouli, on y fait attention aussi. niaouli également, voilà, donc ce sont ces huiles essentielles qu'il faut éviter. Vous pouvez toutefois utiliser à certaines huiles essentielles qui peuvent vous accompagner, j'emploie bien le mot accompagner, dans ces problématiques-là. Et on en fera peut-être une autre vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.